J'ai été premier au 100 mètres d'eau sur les séries et sur la finale. Et j'ai fait vice-champion de France sur le 200 mètres 4 nages et troisième sur le 200 mètres nage libre. Ça fait 5 ans que je suis au club, ça fait 5 ans que je le connais parce que je l'ai eu dès le groupe où il était tout petit. À cette époque, il apprenait un peu sur les 4 nages. Donc je l'ai toujours connu au club et il m'a toujours connu au club. On savait que c'était un très bon petit, mais il faut attendre la catégorie jeune pour qu'il y ait un classement national qui s'établit. Et du coup, ben, il est arrivé jeune pendant le Covid, donc il n'y a pas eu de championnat de France, donc on n'a pas pu savoir où il se situait. Et là, il a vécu ses premiers championnats de France en décembre. Et du coup, ben, on a pu vraiment savoir où il se situait avec un titre de champion de France et plusieurs médailles quand même sur à peu près toute la durée du séjour. Franchement, ça s'est très bien passé. J'étais parti pour essayer de monter sur au moins un podium et j'ai réussi à monter sur toi, du coup je suis fier de moi. Tes qualités, c'est que c'est vraiment un bosseur. Il est attachant et c'est ce qui fait aussi au bout d'un moment la relation coach et nageur qui contribue beaucoup à la performance, on va dire. Et ouais, non, c'est un bosseur à l'entraînement, il est minutieux, il prête attention même des fois à trop de détails. Des fois, pose le cerveau et nage, fais ce que tu sais faire. Ça reste un jeune un peu d'aujourd'hui, puis de temps en temps, il faut le ramener un peu dans le droit chemin parce que voilà, c'est un jeune, il grandit, il commence à rentrer dans l'adolescence et des fois, faut le... Oh, c'est par ici la bonne voie. Honnêtement, j'essaye de monter sur tous les podiums possibles, essayer d'aller le plus loin possible. Le but, c'est vraiment à la fin de la catégorie jeune qu'il sort, qu'il soit complet et qu'il soit le meilleur avec, on va dire, ce cadre-là d'entraînement parce qu'il est face à des nageurs qui nagent en grand bain toute la saison, qui restent le plus possible voilà, pour s'éclater quoi, et continuer à prendre des titres sous le nom de fausse natation.